Donc, je vais vous montrer comment attacher les élastiques de la deuxième méthode. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur la première méthode qui est la plus simple. Et là, je vais vous montrer sur la deuxième méthode qui est un tout petit peu plus compliquée mais pas beaucoup plus. Mais par contre, qui a un rendu beaucoup plus joli sur le lance-pierre en fait. Donc moi, ça fait déjà quelques semaines que je tire avec ce système d'attache. J'en suis plutôt content, ça bouge pas, ça protège même un peu votre élastique sur le bord des fourches. Donc moi j'ai adopté cette façon d'attacher mes élastiques maintenant, j'attache tous mes élastiques comme ça. Donc comme sur la vidéo précédente, il faut que vos bandes soient exactement de la même taille. On va utiliser toujours la petite boucle et toujours nos petites bandes d'élastique d'à peu près 20 cm sur 5 à 7 mm de large. Voilà. Donc sur la première méthode, je vous rappelle, on attachait comme ceci les élastiques. Sur cette méthode là, on va poser son lance-pierre face à soi. Donc notre élastique, une fois attaché, finira dans ce sens là. On est bien d'accord. Donc pour attacher l'élastique, on va retourner l'élastique d'abord et le mettre à l'envers. Voilà, sur sa fourche. Voilà. Et là, on va bien positionner le bord de son élastique au ras de la hauteur de la fourche. Donc on le centre bien. Hein. Et là, on va faire 3 tours. Voilà, nos 3 tours sont faits. Et là, on va replier l'élastique. Voilà. On va bien le recentrer à nouveau. Voilà, on pince avec ses doigts. Hop, et on vient faire 7-8 tours. Maintenant, on va faire son nœud. Donc le nœud, c'est exactement le même, hein. On fait 2 tours. Et voilà, donc ça donne ceci. Voilà, donc c'est vachement plus propre que sur l'autre méthode qui par exemple laisse toujours un petit bout d'élastique qui traîne. Voilà, donc pour l'autre fourche, on va refaire exactement la même chose. On vient positionner l'élastique au ras de sa fourche. On fait un tour déjà. On vérifie qu'on est bien la même distance. Ça a l'air à peu près correct. On fait nos 2 tours qui restent. On replie notre bande. Et on fait nos 7-8 tours.
prend sa fourche, on fait notre nœud. Et voilà, donc ça fait quand même plus joli, ça tient aussi bien, voire peut-être même mieux que l'autre technique en fait, donc c'est pas mal. Enfin moi maintenant j'utilise cette façon là, j'en suis plutôt satisfait, je trouve que ouais, ça fait plus fini, c'est plus propre en fait, voilà, merci.